Le Burkina et la Namibie se donnent la main. La présidente du Conseil national de la République de Namibie, qui est l'alter ego de notre Assemblée nationale, séjourne depuis hier à Ouagadougou. Une visite d'une semaine qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les parlements namibiens et burkinabais. Madame Margaret Mensah-Williams a inscrit à son agenda de nombreuses rencontres avec des personnalités burkinabais. Roger Kam, Bouma, Ernest Nebier. La présidente du Conseil national de la République de Namibie, Margaret Williams-Mensah, a été accueillie à son arrivée dans la nuit d'hier aux environs de 21h par son homologue Salif Diallo à l'aéroport de Ouagadougou. Après des échanges au salon présidentiel, elle a dévoilé à la presse l'objet de sa visite. Le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre son pays et le Burkina est au centre de son séjour. I'm here to further strengthen the friendship. Nous sommes ici pour raffermir l'amitié qui existe entre nos deux parlements, également pour promouvoir le développement économique, aussi bien au Burkina Faso qu'au niveau donc de la Namibie. Je pense que cette visite sera également une opportunité pour nous d'échanger des points de vue autour des questions liées à la promotion du genre. Et Salif Diallo de saluer au nom de l'ensemble des parlementaires burkinabais cette visite. Je voudrais, au nom de tous les députés, dit merci et souhaiter un bon séjour à notre consoeur qui est une femme d'expérience et s'est battue aux côtés du président Sam Nujoma pour l'indépendance de la Namibie. Elle a continué à militer en faveur de la démocratie et surtout en faveur des droits de la femme. Margaret Williams-Mensah aura au cours de son séjour d'une semaine des échanges avec les parlementaires et des rencontres avec les autorités coutumières et religieuses du Burkina. La présidente du Conseil national de la République de Namibie est également présidente du comité interparlementaire des femmes au niveau de l'Union interparlementaire mondiale. Une expérience qu'elle compte partager avec les femmes parlementaires du Burkina.